Aujourd'hui, je suis allée chercher ma Glossy Box parce que pour la petite histoire, je croyais que j'avais arrêté l'abonnement et ça s'est renouvelé automatiquement. Donc, normalement, ça doit être la dernière parce qu'à la dernière fois, j'avais pas été particulièrement enchantée. Mais bon, allez, deuxième tentative. Je suis allée chercher la Glossy Box qui a 15 euros TTC au Mont Amorelais qui est là. La Glossy Box, et je sais pas ce qu'il y a parce que ça est très disparate d'une box à l'autre. On va l'ouvrir. Alors, voilà, facile. Voilà. Alors, il y a un petit magazine. D'ailleurs, ça, je m'en sers pas. Les bestes de cet été, le Glossy Magazine, c'est bon, ça c'est, je trouve que c'est du gâchis, mais bon. Lovely issu du papier glacé avec une très belle femme avec des fleurs dans les cheveux. La Glossy Box. Bon, oui, bon, c'est comme les magazines, hein. Ça vous, peut vous donner des idées, vous voyez, de mode. De cet été. Alors, je regarde un peu. Ça, c'est des lunettes de soleil. Hein, c'est comme vous trouvez dans les avions, comme du bousquet, les paillots. Ah, mais les vernis. Pas les couleurs. Les prix de respect. Ben, le styliste Lauder, Mac. Les robes, les coiffures. Bon, ça, c'était le petit magazine féminin. Après, il y a. Là, ça se présente comme ça, avec la tour Eiffel et un ballon. Alors, il y a, voilà, ça va être le petit menu. Très mignon, rose bonbon, Glossy France, souffle de deux bougies. Et oui, effectivement, c'est le petit menu. C'est qu'a priori ce que je dois avoir dans la box. Alors, hop, Glossy Box, préparez-vous pour le grand jour, les demoiselles d'honneur, les amis, la famille, il y a tant de personnes qui aident à faire cette journée un souvenir inoubliable. Montrez-leur votre amour et votre gratitude avec ce coffret unique de produits de beauté et de bien-être. Voilà, c'est quoi ça, Glossy Box, plus pétillante que le vin d'honneur, le wedding box, mariage. Et l'invité précieuse des enterrements de vie de jeunes filles et des mariages, c'est le cadeau idéal pour les futurs mariés, les demoiselles d'honneur et des convives d'exception. Voilà, ça doit être une box qui doit sortir à part. C'est la wedding box, ça vous intéresse. C'est pour les vieilles filles, celles qui se marient et celles qui enterrent leur vie de célibataire. Voilà. Alors moi, je ne me marie pas. Alors, oh, elle est jolie, tiens. Alors, c'est la Glossy Box. Alors d'habitude, c'est dans une boîte. Là, j'apprécie le package parce que je vais vous montrer pourquoi. C'est une sorte de poche boîtée, vous voyez. Il y a une poche devant. On voit pas, peut-être. Il y a un zip devant. Je vais l'ouvrir, c'est moi qui plateau. Là, un petit zip devant, une petite poche pour mettre ce que vous voulez. Elle est très sympa. J'aime beaucoup. Il y a des poches à garder de partout pour mettre les pinceaux, les rouges à lèvres. Voilà, là, c'est un compartiment pour mettre vos affaires. Je crois que je vais garder la pochette, elle est très sympa. Voilà. Allez, on l'ouvre. Voilà, et dedans, ça se confirme, c'est un peu doublé. Oui, il y a les travaux, si vous entendez la perceuse, c'est normal, c'est pas chez moi, c'est chez le voisin qui a une fuite. Voilà, à l'intérieur, ce qu'on peut trouver. On dirait paillot déjà, je reconnais le. Alors, on va commencer par l'ordre. Voilà.
il y a un soin paillot, ça fait la deuxième fois que je suis du paillot, décidément. Paillot Design Lift Visage. Voilà. Ce doit être une crème liftante pour le visage. Il y a quand même 15 ml là-dedans. Hein? C'est pas rien. C'est le paillot Design Lift Visage. Design Lift Visage est un soin denseur restructurant enrichi en acides gras essentiels oméga 3 et 6. Design Lift Visage redessine le contour du visage, remodèle son ovale pendant la journée et raffermit profondément 50 ml. Enfin, le gros pot. Hein. 75 € quand même. Les 50. Là, j'ai une version 15. Ça permet de découvrir le produit. Voilà, c'est sympa. Voilà, il y a ce qu'on ouvre. Il y a un petit opercule avec une languette pour ouvrir. Oh là, ça y est, j'ai parfumé mon iMac. Voilà, je voulais vous le montrer. Oui, je nettoie un peu mon ordinateur. Ça sent très bon. Mais je connais les produits paillot. Hein. Ils sont pas donnés, mais c'est pour les peaux. Oui, j'ai rien mis sur la peau ce matin parce que j'ai souffert de chaleur hier, je préfère sortir naturel. Le prix est prêt. Ouais, non, c'est très agréable. En version voyage. Elle est très agréable. Voilà. C'était la petite crème paillot de 15 ml. Voilà, voilà. Ils affectionnent cette marque après. Voilà. Ça, c'est mon chat, si vous entendez des griffes. Alors, avec, il y a quoi? Je suis une fille à Glossy Box. Ouais, c'est un petit Made in China. J'aime bien si c'est marqué en gros. Un petit miroir, on dirait. Je croyais que c'était une broche, mais non, c'est un petit miroir. Je suis une Glossy Box avec... Voilà, on le voit. On voit l'écran. Tiens. Hop et... Un petit miroir. Made in China, c'est ça que c'est marqué en gros. Hop là. Ah, c'est sûr que sur le plastique, j'ai cru que c'était marqué sur le... Voilà. Et je vais vous présenter la petite... Là, c'est un petit miroir. Ça peut être utile pour cet été. Se regarder. Avec... Marqué en gros glossy. Voilà. Alors, après, il y a quoi? Oh là, un vernis vert. Bon, je n'ai pas cette couleur. Un vernis. D'ailleurs, je n'ai pas de vert, je vais l'essayer. Un petit vernis vert. Bon, il est vert pétard. Hein. Ma caméra vous trompe. On dirait que c'est un verre d'eau. Mais il est vert. Vert chlorophylle. Tiens, je vais l'essayer. J'en ai pas. Comme je suis un peu en vert aujourd'hui, je vais changer. J'ai les mains grasses, donc ça ne s'ouvre pas. Ah, mais il ne veut pas s'ouvrir. Bon, je verrai ça plus tard. C'est le vernis fil rosso. Mais comme je suis têtue, je vais quand même insister un peu. Non, il ne veut pas sourire. Il a dû prendre un coup de chaud. Bon, c'est pas grave, je vais. Il est vert. Bon, c'est un parti pris. Hein. Moi, j'ai pas de vernis vert. C'est l'occasion d'essayer. Hop. Il y a 100% pur, 100% nature. Figue et rouge. Multi-purpose. Le lip balm. C'est un baume pour les lèvres à la coco blush pink, 100% naturel, coco rose, ça j'aime bien. C'est made in England, c'est pour ça, c'est tout en anglais. C'est pour mettre un peu vers la lumière. Voilà, le tube est très joli, il y a des flammes en rose dessus. Et c'est à la coco a priori. Je
puis essayer de le sentir. Et vous voyez, c'est rose le produit. Même c'est très sympa ça. Je sens pas tellement l'odeur de la coco. Ça sent plutôt la rose. Ouais, c'est une odeur un peu bonbon, je dirais. Un peu sucre. Voilà. Le petit tube. Et ça, c'est. Ça fait. Ça dure 9 mois. Ça fait 12 millilitres. C'est une marque anglaise. Teinte assez rose, ça teinte les lèvres. Il n'y a pas de pétrole dedans. De pétrole free. Oui, c'est tout en anglais en même temps, je fais la traduction. Castor l'huile, Ricinus communis huile, hydrogénatide, Corpenicia ferifera, parfum, limonade, citral, alcool. Ouais, non, c'est une marque que je connais pas. C'est à essayer, c'est très sympa. C'est marqué quoi d'ailleurs? C'est figuier rouge, pomme à lèvres, 100% naturel. Ce baume figuier rouge apporte une petite touche de fantaisie à vos lèvres selon vos envies. Enrichi en antioxydants, il peut être utilisé dès les premières traces de sécheresse sur les lèvres. Faites pétiller vos journées avec une couleur gourmande. 5,89€. Voilà. Et le vernis. Parce qu'il y a un petit. Philosophie, vernis à ongles, la nouvelle gamme de vernis à ongles, Philosophie, une offre découverte pour les Glossy Girls, un polissoir Philosophie offert pour toute commande sur philosophie.com avec le code Glossy01. Offre valable du 15 juin au 15 juillet 2013, 9 ml le vernis et 5,90€. Voilà. Petit vernis vert. Alors, après. J'ai quoi ça? C'est eau de soin de paillot encore. Paillot. Senteur minérale bienfaisante au complexe oligo-minéral. Alors ça sert à quoi ça? C'est l'eau de soin. Eau de soin est une senteur minérale bienfaisante au complexe oligo-minéral qui ressource, adoucit et parfume délicatement la peau. 100 ml. Flacon spray 100 ml 43€. Bon, ça c'est pas un 100 ml, c'est un 7,5 ml. Je vais la sentir. Elle est très longue cette vidéo, je pensais la faire rapidement. Et puis, paillot. Et je vais me la mettre. Je vais la tester parce que j'ai tellement eu chaud hier. Ah, c'est très sympa l'odeur. Ouais. Je ne peux pas trop vous dire l'odeur. Mais c'est très frais. C'est très rafraîchissant. Ça. C'était très doux. C'est frais. Ouais. Senteur minérale, ouais, ben ça veut tout dire. Ça sent, c'est très. Bien-être du corps, c'est très frais. Ah, dans une trousse à transporter. Et le dernier petit objet, c'est une Smash Box. Oh, j'arrive plus à parler. Full Explosure Mascara. C'est un mini mascara. Et en même temps, je me maquille, moi, quand je joue. Alors, c'est le. Putain, mais j'arrive pas à le dire. Hein. Smash Box. Full Exposure Mascara, un mascara professionnel, volumateur et allongeant, inspiré par les make-up artistes de Smashbox pour un maximum d'impact, 9,56 ml, 20€. Voilà, c'est un échantillon. Il fait 4 ml, c'est-à-dire la moitié. Donc, si la moitié, ça ferait pas tout à fait 10€ le truc, 9€. 9,90€, moi. Puisque c'est 20€ le mascara. Et il se présente comme ça. Il y a une grosse prose.
Il a pas l'air mal, je vois rien en caméra. Oui, il n'y a rien sur la peau, alors tant qu'à faire, j'essaye les produits, hein. Non, il a pas l'air mal, la brosse, elle est large. Il n'a pas l'air mal. Je le remontre. Et 4 millilitres en échantillon, voilà. De smash. Ah, je vais arriver à le dire. Voilà. Et j'ai fini. J'ai tout vidé. Vous voyez, je peux garder la pochette pour mettre des affaires. Je l'aime beaucoup. Et bisous, bisous. Et puis, aujourd'hui, j'ai essayé les petits tatous, hein, vous voyez, que j'avais reçus dans une autre boîte. Des petits oiseaux. Ciao, ciao!